Ah Titi, il se fait photographier hein. Ah tu vas être beau. C'est le roi des vendanges hein. Ah bah ouais hein. C'est bon. Voilà. Allez Henri, souris Henri. Allez, souris. Je suis pas concerné moi. Allez, on encore non, c'est bon. Un faites un truc pour Yves là. La cuve de blanc, la première que j'ai fait analyser, faisait 12,8 degrés. C'est énorme. Résultat du laboratoire. C'est la première cuvée de blanc. Il y a de plus en plus de gens qui rachètent des terres du Beaujolais parce que c'est moins cher. On est tranquille, on a toujours la vue. On est quand même tranquille. Ouais. C'est construit bien là-haut quand même. On les voit tout. Il y a beaucoup de rouge. Bordeaux. On a les pieds. Oui, mais c'est bon. Il y a du vent, alors j'ai réussi. Attends, moi, Jess. Je vais prendre l'angle, mais quand même, chercher la crème. C'est deux. Ce raisin qui part dans la vie sans fin. Comme ça. Généralement, il y avait la vis sans fin. Thank you.
attention. Vachement coulé, ça enlève tout les graisses. Ça, il a baigné là, du coup, là, la transpiration est. Là, on va jouer là dedans. Parce que là, c'est plus encore, encore bon tuyau. Là, attention que ça ne retombe pas trop. Traditionnellement, les vignerons du Beaujolais appellent ça le paradis parce que malgré qu'il est encore très sucré, il y a déjà de l'alcool et on en boit des fois plus que de raison parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'alcool, mais il y en a un peu et ça passe tout seul. C'est pour ça que ça a été surnommé, oui, là, il est encore à 26-27 degrés. Mais pour bien sortir la couleur, c'est important de... Santé. Allez, un autre. Oh, j'ai pas un verre. Une bonne photo en plus. À 2011.